Et donc, salut à tous, c'est parti. Je vais vous présenter un nouveau glitch de duplication de véhicule ou même d'apparition si vous n'avez pas le véhicule en question. Donc, là, il s'agira d'une Deluxo. Donc, c'est simple. Le glitch est très simple, c'est une exclue France. Donc, je sais pas si dans les autres pays ils ont déjà découvert ce glitch. Enfin, voilà. Donc, alors, pour ce glitch, c'est très simple. Il vous faudra juste un véhicule, n'importe lequel que vous trouvez dans la rue ou le vôtre ou quoi que ce soit. Bon, le mieux c'est que ce soit le vôtre, comme ça c'est mieux pour le glitch. Donc alors moi je vous conseille ce véhicule. Ce véhicule vous le trouvez dans la rue ou quoi que ce soit. Enfin si vous l'avez sur vous c'est mieux. Voilà donc c'est un véhicule simple. Donc là je vous conseille d'aller dans session. Alors sur session sur invitation ça marche pas. Il faut aller sur une session publique ou une session buggée, enfin voilà. Donc là vous allez au Los Santos Custom, donc voilà, donc c'est la Benefactor Charter, donc c'est une berline. Donc voilà, donc là vous allez dans Klaxon, et en fait là il faut que vous ayez le Klaxon, comment dire? Le klaxon Liberty City, voilà. 75 000 $. C'est un peu cher, mais bon. Franchement, pour avoir une Deluxo, ça vaut le coup. Donc, alors là, vous le prenez. Voilà. Et en fait, là, le glitch il va commencer maintenant. Donc, alors là, on se dirige. Donc là, l'état de la voiture, on s'en fout. Hein. Si vous l'avez abîmé ou quoi, c'est pas grave. Donc alors là, faut aller vers le canal, enfin vers les égouts là, les trucs d'égouts. Oh, je vous dis, hein. On peut casser la voiture, c'est pas grave. Donc là, le but du jeu, c'est d'arriver ici. Et là, le concept, ce serait. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Hop là, vous cassez la rembarquée. Ou vous avez autre chose à. Ah, donc le but du jeu c'est d'aller tout au-dessus du canal. Tout au-dessus. Moi je reçois des emails de merde. Et en fait, il faudra klaxonner tout le long du canal. Vous allez descendre tout le canal. Et vous allez klaxonner tout le long. Et en fait, après, vous allez appuyer sur PS. Ouais, je vais vous montrer. Alors, vous mettez environ là. Et c'est parti. Et là, vous restez appuyé tout le long. Faut pas que. Faut pas que vous lâchiez le bouton. Tant qu'autre lent. Donc, ça marchera. Bon. Vous testez, moi je l'ai eu en 3 coups. Hop. Et arrivé, donc là vous voyez le pont. Arrivé, là c'est le deuxième pont, la troisième pont. Arrivé ici, vous rappuyez dessus. Et une fois que vous avez rappuyé, le glitch est fait normalement. Et après vous avez juste à retourner, donc sans klaxonner, sans rien. Donc là normalement le klaxon sera bloqué, hein. Vous ne pourrez plus klaxonner. Donc là faut retourner où vous étiez juste avant. Et normalement, il y a des espèces de tunnels, voilà, par exemple celui-là. Et normalement, ah voilà, normalement, une Deluxo apparaîtra ici. Donc là elle sera bloquée, vous pourrez pas rentrer dedans. Vous pourriez pas. Ouais voilà. Vous pouvez pas rentrer dedans. Donc là l'astuce c'est de faire une fois venir. Taper dessus. Et voilà, elle sera débloquée. Donc là maintenant, l'astuce est très simple. Vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, donc ça peut très bien servir pour une seule partie, mais si vous voulez la garder, alors là ça va être très très difficile.
parce qu'il faudra aller dans votre complexe. Bon bah moi le complexe il est bien. Moi je vais pas le servir, je vais pas m'en servir pour la garder, sachant que j'en ai déjà puisque j'ai fait beaucoup de fois le glitch. Mais voilà, donc là je vais m'en servir juste pour cette partie-là. Même si vous voulez la garder, vous avez juste à aller dans votre complexe et elle sera sauvegardée automatiquement. Juste à rentrer dedans, puis voilà, ça va vous rentrer dedans. Par contre, vous pouvez pas la rentrer dans vos garages sans l'avoir mis dans votre complexe avant. Voilà tout, j'espère que ça vous aura plu et bon glitch à tous. Et voilà. Ciao les salauds!